banque commerciale du Congo est la banque la plus ancienne du Congo. Elle est installée au Congo depuis 1909. Ses partenaires sont principalement la Bégolaise Banque, qui est en Belgique. Et bien sûr, nous sommes aussi membres du groupe Fortis. Alors, la catégorie de clients qui fréquentent la banque, vous avez les commerçants, donc opérateurs économiques de la ville. Il y a les particuliers, il y a également les entreprises privées, publiques et notamment les organismes non gouvernementaux qui sont là. Bien sûr, nous offrons des facilités dans tout ce qui est transactions internationales, notamment les transferts. Nous avons des délais d'exécution assez courts. Nous n'avons jamais connu de problème. Nous offrons des conditions de sécurité excellente par rapport aux conditions du milieu dans lequel nous sommes. Bon, il y a des clients qui viennent demander, se renseigner sur la possibilité d'ouvrir des crédits documentaires. Nous leur donnons toutes les assurances qu'ils peuvent le faire sans beaucoup de problèmes. Il y a la réglementation de change, la nouvelle réglementation de change qui entre progressivement en application. La validation des licences d'importation, la validation des licences d'exportation. Je pense que progressivement, tout cela va se mettre en place et nos clients vont de nouveau s'habituer à tous ces mécanismes-là. La réglementation de change nous autorise à utiliser les monnaies étrangères, mais nous utilisons de la même manière les francs congolais, la monnaie nationale, nous utilisons les dollars, nous utilisons également l'euro, mais ça dépend de préférence de la clientèle hein, qui préfère... à mon avis, le dollar, la zone est dollarisée et je pense que c'est la clientèle qui utilise beaucoup plus le dollar que les autres monnaies. Oui, nous avons un contrat avec la Western Union, mais nous utilisons ce service également. Le transfert, pas nécessairement, les dépôts également. Les gens voient le transfert par Western Union uniquement, mais non. Nous faisons également les transferts bancaires simplement, sans passer par Western Union. Ça se fait également et très bien. Nous avons beaucoup de clients qui préfèrent ce moyen-là. Notre banque offre également les facilités de crédit. Bien sûr, nous devons tenir compte, comme je l'ai encore répété, nous sommes encore dans une zone très peu sécurisée, mais nous le faisons dans la mesure du possible. Moi, je pense que c'est la banque elle-même qui fait, la Banque commerciale du Congo, la BCDC, qui fait déjà beaucoup pour que... Bien sûr, avec tous ses partenaires, pour que les transactions reviennent à leur niveau d'antan. Il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont satisfaits du service rendu, qui recourent à nos services et je pense qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ça va pouvoir.